Good morgen, allez, Yidan, les sous aujourd'hui le Nishmat, Moïse Shmuel ben Shlomo Zalman, Sarah bat Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, ainsi que l'Irfouat, Sarah bat Beiti, Rivka betor Shah pour l'Israël. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Menachot, Perektet Mishnah, Chet, Hakor, Somchin, Chutz, Mecheresh, Shote, Vekatan, Suma, Venochri, Vea Eved, Vea Shaliaf, Vea Isha, Usmicha, Shire Mitzvah, à la roche, bishtei adaim, ou bimkom shesomchin shochatin, vetechef, bismicha shchita. Juste un exemple, on continue à parler de la mitzvah de smicha. Pas smicha. Smicha, c'est que avant de faire le korban, on doit prendre, le propriétaire doit prendre, on doit appuyer sur sa tête, sans signe quelque part de que l'animal va partir à sa place en korban, va se faire tuer à sa place, d'accord? C'est le principe de la smicha en général. Maintenant, la Mishnah m'enseigne Hakol Somchin. Tous sont imposés de faire la smicha, sauf Chutz, sauf Micheresh Shoteh Vekatan, le fameux trio, le sourd, le fou et le petit, c'est-à-dire trois personnes qui n'ont pas développé leur intellect, n'ont pas un statut d'adulte, de bardat, de quelqu'un de responsable. Dans la Torah, ils sont pturim min ha-mitzvot en général. Katan, c'est normal, il n'a pas encore mûri. Le cher et le shoté, bien sûr, il n'a plus de cerveau qui fonctionne normalement. Et le cherch, le sourd, on parle de quelqu'un qui est sourd depuis la naissance, et donc qui ne communique pas avec ses erreurs, donc il ne développe pas son intellect. D'accord? Les trois ont un statut donc de personnes qui n'ont pas de date, de responsabilité. Pturim min ha-mitzvot, de ce fait, ils n'auront pas besoin de faire la smicha s'ils ont eu un korban. Comment concrètement ils ont eu un korban? Ben je sais pas. Apparemment, j'ai pas vu qu'on me pose la question en fait, c'est une question que je me suis posée pendant que je préparais le shiur. J'ai vite vu comme ça qu'apparemment personne ne soulève la question, c'est quelque chose qui me dérange. C'est-à-dire, comment il a pu sacrifier un korban? Apparemment il y a un problème technique. Pour pouvoir sacrifier un korban, il faut aussi du dat, il faut être responsable. Il faut du pouvoir, être assez aiguisé dans la tête. Donc de ce fait, il ne pourrait pas être ayav de korban. Je me suis dit qu'il y a une solution relativement simple en rapport avec la Mishnah précédente. Il y avait écrit à la fin de la Mishnah précédente que le Yoresh Somer, celui qui hérite, fera la smicha sur le korban. Donc de ce fait, il y a une réponse simple, c'est que le Cheresh Shoteh Vekatan, il avait un père, par exemple, qui avait, bien sûr, du Sechel, il avait un cerveau normalement constitué, qui a fait un vœu d'apporter un korban, un shlamim, voilà. Et puis ensuite il est mort, c'est le fils maintenant, on va prendre le fils, on va l'aider à l'amener à Yerushalayim, et la Mishnah m'enseigne, sache que malgré tout, il ne devra pas faire la smicha, d'accord? C'est la solution que je me suis trouvée. Ensuite, Souma, l'aveugle, il est dispensé de la mitzvah de la smicha, pourquoi? Alors là, il y a une raison qui est rapportée dans le Bartanora, qui est rapportée dans la Gemara, mais qui est, de soit qui se lève une question pertinente sur ça. Il y a marqué, c'est-à-dire parmi tous les korbanotes, dans lesquels on doit faire la smicha, appuyer les mains fortement, il y a un des korbanot, qui est le par elem d'Avar Jem Tzibur, le fameux taureau que l'on va apporter, si toutefois tout le Ham Israël a fait une avera à cause du Bet Din, du Sanhedrin, comme ce qu'on apprend dans la Sechet Horayot, par elem d'Avar Jem Tzibur. Maintenant, il y a là-bas, il y a marqué Vesamchu Zikne Ha'eda, les sages de la Eda, de l'assemblée, eux, feront la smicha, on apprend une règle par juxtaposition de là pour tous les autres endroits où il faudra faire la smicha, il faudra des gens qui sont dignes d'être comme au Sanhedrin, donc qui ne sont pas aveugles. Tout ça te pose la question, ils disent, mais dans ce cas-là, si il doit être semblable au Dayanim du Sanhedrin, dans ce cas-là, ils ne devraient avoir aucun défaut sur leur corps. Alors la Mishnah l'a juste enseigné Souma, c'est une question soulevée que je n'ai pas vu de réponse. Ensuite, Venochri et aussi le Goy qui va vouloir faire un korban, un Goy peut faire un korban, peut faire une déolote, maintenant, malgré tout, il sera dispensé de la smicha. Veha Eved, Veha Shaliach, Veha Isha, qui sont l'esclave, l'émissaire, l'envoyé, et Haïcha et la femme. Alors, Eved, Veha Isha, c'est assez simple à comprendre pour le moment. On parle que si toutefois moi je veux apporter un korban, mais que je ne peux pas partir en Beth Amikdash, je peux l'envoyer avec un envoyé, avec un Shaliach, un émissaire. Il va le prendre, un délégué, il va l'amener au Beth Amikdash, il va faire le korban à ma place. Ben lui, il ne pourra pas faire la smicha. Si moi je suis là-bas, je fais la smicha. Si je ne suis pas là-bas, ben on ne fera pas le korban sans la smicha. Ha'eved, c'est le même principe.
avec à présent, hein, une petite distinction, c'est que même si le VED c'est mon bien, donc quelque part c'est plus moi que quelqu'un d'autre, qu'un simple envoyé. C'est vraiment mon bien. Il y a des Eved Kayad Rabo, c'est une grande règle. La main de l'esclave est considérée comme la main du propriétaire, de son maître. Pour plein de halakhot, on a pu croire que dans ce cas-là, il pourra faire la smicha, appuyer ses deux mains sur la tête de l'animal, et bien la Mishnah enseigne que non. Ve'aisha, deux manières d'interpréter. C'est rien marqué ici qu'une femme, elle est dispensée de faire la smicha. Donc au sens simple d'abord, une femme qui décide de porter un korban olah, un korban shlamim, elle n'aura pas besoin de faire la mitzvah de la smicha. Il y a quand même une discussion, est-ce que, non je crois que c'est admis d'ailleurs, dans Chagiga je crois que ça se trouve, où là-bas c'est écrit que malgré tout, si elle veut, elle peut le faire. Elle ne transmettra pas d'interdit, mais elle n'est pas obligée, elle n'a pas de mitzvah, d'obligation de le faire. Autre interprétation de la Mishnah, qui implique aussi qu'on parle, ça se rattache avec Aeved Vaisha, Aeved Vachaliach Vaisha, que moi je veux envoyer mon korban au Beit HaMikdash par un délégué, ou bien par mon esclave, ou bien par ma femme. Ma femme, elle doit partir de toute façon à Yerushalayim. Je lui ai donné mon korban. La Mishnah, elle m'enseignait, ben sache que, même si c'est ta femme, et on a une grande règle qui te dit, Ishto ke gufo, une femme, elle est considérée comme le corps du mari directement, pour quelques halakhot dans la chasse. La femme, elle est mieux que n'importe quel chaliar par rapport à son rapport, il forme une âme. Eh bien, on aurait pu croire donc que la femme pourra faire la smicha à la place du mari, et la Mishnah enseigne que non. Ou smicha, maintenant, on passe on a fini maintenant de définir qui est imposé de la mitzvah de la smicha. Et la Mishnah maintenant va m'enseigner quelques précisions sur la smicha, comment on l'a réalisée. En commençant d'abord en me disant, ou smicha, shiare mitzvah. La smicha est une mitzvah, le mot facultatif n'est pas exact, mais une mitzvah qui n'invalide pas si on ne l'a pas faite. D'accord ? Je ne sais pas comment ça se traduit précisément. Shiare mitzvah, c'est un reste de mitzvah, mais c'est une manière d'exprimer que c'est une mitzvah qui ne va pas invalider si on ne l'a pas fait. D'accord ? Malgré tout, l'Agma rapporte que d'un pasouk, « Ma'alea la ketouv keilu lo kiper » Bien que si j'apporte mon korban et que je n'ai pas fait la smicha, je me suis acquitté, malgré tout, on considère moralement comme si je n'avais pas fait la kapara comme il fallait. Mais concrètement, malgré tout, c'est shiare mitzvah, c'est un reste de mitzvah, c'est-à-dire que c'est une mitzvah un peu supplémentaire, facultative. Si tu l'as fait, c'est bien. Si tu ne l'as pas fait, au pire, ça n'invalide pas le korban. À la roche, il faudra appuyer fortement sur la terre, sur la tête. Bishtei yadaim, avec les deux mains. D'accord ? On appuie fortement avec les deux mains. C'est du tout ça dans le pasouk. Vesamach Aaron et Chetei yadav. Aaron devra appuyer ses deux mains. Comme ça, c'est précisé dans le pasouk. De là, on apprend que quand tu fais la smicha, c'est avec les deux mains. Ou bimkom chez somchim shokhatin. Dans le lieu où tu feras la smicha, tu devras égorger sur place. C'est-à-dire, ne fais pas la smicha dans un coin et puis après tu prends le korban dans un autre coin. Non. Décide-toi où tu vas faire le korban. Là, bah, tu fais la smicha et tout de suite tu égorges. Vetechef. Les smicha shrita. Et immédiatement après la smicha, après avoir appuyé sur les mains, tu feras la shrita, tu égorgeras ton korban. C'est-à-dire, la Mishnah me dit, tu ne traînes pas entre les deux. C'est déduit. Toujours quand c'est marqué dans la Torah. Il y a le mot shachat qui l'égorge juste après pour t'apprendre que tu dois les faire un après l'autre immédiatement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine.